Mars, je m'appelle Stéphanie, je suis salariée, j'ai deux enfants et de voir mes enfants heureux avec leur calendrier de l'Avent m'a donné envie d'offrir aux adultes le calendrier de l'après avec des astuces en communication. Des astuces de communication qui pourront être utiles dans leur vie privée mais aussi dans leur vie professionnelle. Et le premier thème sera l'accueil des émotions. Voyons quelques exemples en images. Mais je t'avais dit d'arrêter de sauter, mais franchement, mais à chaque fois tu fais ça. Allez, relève-toi, allez, il y a ton père qui nous attend là. Allez, viens, allez, viens. Mais t'as rien, franchement. Allez, relève-toi, allez, on y va. C'est bon, t'as fini ta comédie. Allez, allez, on avance, viens. Ça a glissé, je crois. Ça a glissé un peu. Merci en tout cas de votre sollicitude. Parfait. Avec plaisir. Je repars. Merci beaucoup. Notre comportement n'est pas le même pour Aurélie, une adulte qui chute, que pour Lily, l'enfant. Nous sommes souvent plus bienveillants pour un inconnu que pour notre propre bout de chou. En tout cas, cela m'est arrivé. Et potentiellement, cela vous est arrivé à vous aussi. Trouvez-vous ça logique? Moi non plus. Comment pourrions-nous réagir autrement? En accueillant l'émotion de l'enfant. Quand nous disons « c'est bon, tu t'es pas fait mal », comment pouvons-nous le savoir? Il peut effectivement ne pas s'être blessé, mais avoir eu très peur. Le fait de l'écouter lui permet de reconnaître l'émotion qu'il est en train de vivre et de se sentir compris. Il pourra ainsi passer plus facilement à autre chose. Voyons ce que cela donne avec lui. Des enfants, des ados ou des adultes, nous éviterions bien des situations de conflit. Si vous avez une situation à laquelle vous aimeriez réagir différemment, trouver des alternatives, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'indique ici astuces@mailo.com. Le thème du mois prochain sera comment susciter la coopération des enfants, des adultes, que ce soit vos collègues ou de votre équipe si vous êtes manager. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches en les inspirant au travers de votre communication. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo.